Nouvelle motorisation pour le i5 Touring Break. Alors, xDrive 40 qui a donc deux moteurs pour un total de 394 chevaux. 5 secondes 5, 0 à 100, 215 km/h en Vmax. Batterie capacité nette 81,2 kWh. Forcément, l'autonomie en prend un petit coup. L'autonomie va donc de 453 à 520 km contre 489 à 560 en propulsion. Donc, c'est une version 4 motrices, c'est pour ça qu'il y a moins d'autonomie. Les puissances de charge maximales ne changent pas. En AC, c'est 11 kW de série ou 22 en option. En DC, c'est 205. La xDrive 40 est déjà affichée au configurateur de BM avec un prix de départ de 83 150 €. 5 400 € de plus que la version e-drive. Donc à la base, en fait, il n'y avait qu'une version propulsion. Et maintenant, bah donc, une version 4 roues motrices, 2 moteurs, quoi. Qui reste moins cher que la version M60. Mais qui est quand même très cher au final, hein, 83 000 € quand même. Hein. Ça se paye de rouler en BM. Hein.